Bonjour à tous. Et voici une information très importante. Le montreur d'ours vient de grogner à côté d'un joueur. Bonjour tout le monde, fermez-la. Bonjour, bienvenue dans le jeu. Bonsoir et bienvenue pour Loup-garou Yaché saison 9. C'est le meilleur rôle de tous les LG confondus. Bon, en tout cas, on n'a pas été trublionné parce qu'on est à 50 minutes de jeu et pas eu de petits coups de trublion. Et ça fait plaisir, ça fait Zumba Kef. Oh, Sifano ! Mais non ! J'en ai deux. Ah bah, yo mec. Ça va mec ? Je veux bien quelques pommes rouges, ouais. Tiens, j'en ai deux. Parce qu'en fait, vraiment, je n'ai trouvé aucun bon biome pour ça. Ça va, bro ? Ça va, toi ? Ah bah voilà. Moi, je suis bien chaud, là. Ralassez-moi, là. Question d'un homme qui connaît beaucoup Gep. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a très peur ? Il est rôle solo. Ah, ok, bah il est rôle solo. C'est ce que je me suis dit aussi. Pour moi, il était rôle important, ouais. C'est exactement la même déduction. Bah, en fait, je l'ai croisé, je lui ai dit, mec, t'as tes diamants ou pas ? Je vais vers lui, tu sais, pour lui filer. Et vraiment, il courait, il me filait, il me dit, pose, moi, j'ai compris, il voulait juste que je le pose, quoi. J'ai croisé Gep en cave aussi. Et il est ouais, ultra bizarre. Et si ça se trouve, est-ce que ce serait pas lui qui s'est fait gleu ? C'est ce que je me suis demandé aussi. Ça expliquerait déjà pourquoi il est si peur, tu vois. Oh, et ben y'a des gens. Bah, oh, salut! Oh, bah, t'es, y'a un autre groupe là. Hey, Guillaume, t'as besoin de diamants? T'as besoin de diamants? Franchement? J'ai besoin de gap. Ouais. Ah bon? Ouais. Ça tombe bien, moi aussi. T'as combien de gap? Merde. De 12. Je peux te donner. Non, mais ça va, aussi gros, tranquille, j'en ai autant que toi, c'est bon. Ouais, bah, c'est pas mal. Moi, perso, okay, bah, très moi, bien, perso, si tu veux, je te donne de l'or contre 4 diams. Oh! Oh! Oh, ah ouais. C'est énorme. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Oh, le pauvre mec, le pauvre skin. Oh, c'est énorme. Oh, c'est trop bien ce qui vient de se passer. Ah, c'est trop bien. Est-ce que ce qui est très intéressant, c'est que si Ninjax c'est loup-garou, et ben du coup les LG sont sûrs qu'il est pas LGB. Tu dis ça. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ouais, le truc. Pourquoi personne n'a de plastron en fait? Ninjax, il a pas de cher. Ah bah du coup oui. Ouais, avec l'événement. Attends, mais t'as pas enchanté ton épée? J'ai des stratégies pour le cramer. Ok. Je peux venir, bah. Oui, si tu veux. Alors, comme j'ai dit à Shadoun, premier petit A, on regarde avec qui il traîne pour potentiellement choper le couple. Ouais. Petit B, on le saute, s'il claque des popos, il est salateur. Bah après, honnêtement, Ninjax n'aura pas le réflexe de claquer des popos, il sera déjà mort. Hein. Ah, tu penses? Il genre, au pire, tu sais, on le tape vite fait, tu vois. Genre, on laisse le temps, quoi. Je me dis, on est bien d'accord que le village n'a pas de chat village. Je sais que t'es non. D'accord. Mais par contre, les LG, eux, savent qui sont les LG entre eux. Ouais. Oui. Donc, toi, tu jusque-là, as t'as juste. Les trois rôles, on dit soit. Enfin, il y en a deux qui sont gentils et un qui est méchant. Donc, si tu t'es pris des votes, ça veut dire que c'est les LG qui t'ont voté, puisque le village n'aurait pas pris le risque de te voter en sachant que t'étais peut-être avec eux. Maintenant. C'est très intelligent ce que tu viens de dire, Sifano. Je sais pas. Hein. Donc, non, en vrai, honnêtement. Sifano, le problème, honnêtement. Je ne pas parce que Bichard a voté uniquement pour ça. On peut m'expliquer comment ça marche, je sens. Exactement. Tu vas me retrouver. Mais en vrai, Sifano, si c'était pas moi qui avais initié le vote contre Ninja. Oh merde, je savais pas, moi. Ça aurait été possible. Vraiment, mec. Comment la craft? En vrai, c'est pas spécialement con parce que. Moi j'ai dit ça pour rigoler, c'est moi qui initie un peu le truc. Mais ouais. C'est fort probable qu'il y ait 3-4 personnes qui m'aient suivi dans le tas qui eux soient LG et qui se sont dit ah bah ouais, venez on vote Ninjax. Bah peut-être ouais, tu vois. S'il y a eu autant de votes. Les LG, s'il est pas LG, ils le savent. Non, les autres, tu vois. En vrai, s'il y a eu autant de votes, c'est peut-être parce qu'il est pas loup du coup. Je te le dis, j'ai pas compris. Oh. Ah gros. si c'est eux les trois loups, mec. Fatou, faut le dire quoi. Fatou, faut le dire quoi, à un moment genre. Faut me dire con, genre, qu'on se fait. Attends, je vais quand même révéler mon info à qui il vient, en fait. Au bout là-bas. Bichard, je te conseille pas. Pourquoi? Ah. Ouais, j'ai mélané, on est trop là. Vas-y. Ok. Vas-y, je peux venir? Ouais, tu peux. Enfin, je sais pas. Okay. Je sais pas, en vrai. Ok, bah, comme tu veux. Bah. C'est Bichard qui voit, honnêtement. En vrai, je prends mon bras droit, Fatou. Hein bah, honnêtement, je ne conseille pas de trop traîner avec Guillaume. Pourquoi? Bah, je le sens pas. Genre, tu le sens pas comment? Genre, tu l'as reniflé et il pue? Non, genre, je sens une sensation, tu vois. J'avoue, belle métaphore. Bah, ouais, je sais pas, genre. Ça ferait allusion au rôle de renard, quoi. En vrai, genre, ça aurait été très, très bien trouvé, tu vois. Oui.
Après, c'est... Enfin, après tu l'analyses comme tu veux ce que je veux dire, mais j'ai vraiment l'impression que tu fais fausse route sur moi. Oui, non, mais je pense que je fais fausse route sur toi. Mais ouais. Je préfère me faire fausse route et rester avec toi. Ouais, je comprends. J'ai vraiment l'impression, mais je sais pas après si tu me retournes le cerveau, mais j'ai pas l'impression de te voir méchant, mais par contre j'ai l'impression que tu fais quand même fausse route sur moi. En vrai je te dis ça pour éviter que si tu penses vraiment que c'est moi et que si au final c'est pas moi, tu te doutes de quelque chose ou quoi. Alors c'est surtout pour ça, c'est pour éviter qu'il y ait confusion derrière quoi, mais franchement je pense pas. Je pense que tu fais fausse route. Il y a du monde qui est parti depuis. Tu vois la... Et en fait c'est pour ça que j'ai dit, mais Sifano en vrai... Ah bah t'es... Il est ancien ange gardien. Voilà. Comment ça, il est ancien orange gardien? Bah, c'est une petite fille, ancien orange gardien. En gros, il y a deux rôles. Enfin, il y a le rôle du camp opposé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est orange gardien, quoi. Alors que. Oh! Oh! Oh, ça, c'est intéressant, cool. Pas chez nous. Du. Gil, il était avec Pib. Salvateur. Attends, le Salvateur, il est déjà passé, les gars. Il y a. C'était qui? C'était Ninjax. Mais il est Cupidon. Il est méchant. Il est forcément méchant, mec. Il est forcément méchant. Non mais le Cupidon, si le couple meurt, il est avec nous, non? Ouais, mais il faut qu'il meure, quoi. Ouais, il faut qu'il meure, le couple. Ouais. Ok, venez, on trouve Ninjax. Ouais, il y a Egil là à côté. Ça, c'est possible qu'il y ait Egil alors. Mais ici, même. Mais moi, j'ai croisé. Ouais. Je pense que les trois gros de tout à l'heure, je pense que c'est Magic, Frigiel et Ninjax. Ouais. Ouais, je pense. C'était bizarre. Ah ouais? Attends. Ça y est, tu es. Putain! Quoi? Terminé. Non mais what? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Non, pardon, mais Sif, what the fuck? Attends, je t'explique. T'es quoi? T'es quoi, Sifano? Ninjax était méchant, et du coup, il y a Andy qui le suit, et Magic qui se met derrière et qui bute Andy entre temps. Ils l'ont pris en sandwich. Ok. Magic a tué Andy? Voilà, regarde. Ninjax était bel et bien méchant, je te dis la vérité. Pourquoi Magic? Je sais pas, il a suivi NT, il a tué NT en fait. J'ai pas le plastron non plus. Non, je peux te le donner, Daiko. Tiens, Daiko. Si vous voulez, j'ai des trucs. Tiens. Bon, du coup, ça confirme. Ah, du coup, il était LG, Ninjax. Ok. Bon, j'ai vengé NT. Bah, maintenant, il reste deux. Les gars, vous me faites peur. Non. Non, mais Sifano, tu es forcément save, donc c'est bon. Attends, Sif, pourquoi t'aurais tué Magic alors qu'il est rival? Comment tu pouvais savoir qu'il était méchant? Je t'explique ce qui s'est passé. On a réussi à cramer que Ninjax était méchant, d'accord? Tu me suis? Ouais. Bon, t'as réussi à le cramer. Donc, mais ces mecs, on peut le faire aussi. Donc, on s'est jeté dessus, il y a NT qui l'a poursuivi et Magic qui était juste derrière. Au final, on s'est retrouvé bloqué dans des feuillages, NT tapait Ninjax et par derrière, Magic qui était censé être avec nous a buté NT dans le dos. Donc moi, si tu veux, j'ai essayé de défendre NT. Mais NT n'est pas mort. NT n'est pas mort. Oui, mais je sais, pas pourquoi par contre ça. Mais je l'ai vu dépoper devant moi. Si, on sait pourquoi. Je l'ai vu dépoper devant moi. Bah non, par contre, non. Il a été raison. Il s'est fighté contre qui? Il s'est fighté contre qui, NT? NT se fightait contre Ninjax et Magic a tué NT. C'est Magic qui a tué NT. Alors attends, est-ce que Ninjax est mort? Oui, pour moi, c'est Magic qui a tué NT parce qu'ensuite j'ai tué NT et il y a Ninjax qui est mort dans la foulée. Non, t'as tué Enti, okay, c'est Magic qui a tué Enti. Ninjax était pas mort. Non, c'est Enti qui a tué Ninjax. Non, on sait quoi, Enti? Oui. C'est qui t'a tué? Alors attends. Alors, qui est-ce qui m'a tué? Je sais pas qui m'a tué. C'est marqué dans le chat ou pas? Non. Alors justement, Enti, ce que j'expliquais, tu suivais Ninjax. Le problème c'est que Magic me foutait aussi des coups. Merci. Voilà. Donc en fait, il t'a attaqué par derrière. Je l'ai buté dans la foulée, mais il t'a tué avant. Alors. Ouais, mais il faut vraiment qu'on dire qui a tué Enti. Il faut vraiment le dire là. Oui. Pour moi, c'est Magic qui a tué NT. C'est là que c'est crucial. Et c'est Magic. Non, mais on peut pas bah, moi, j'ai pas pu tuer NT. Moi, j'ai pas devant Magic. On est trop les gars aussi. Hein. NT était devant Magic, donc j'ai pas pu tuer... Attends, NT, vite fait. Il faut juste que tu m'expliques un truc. Donc, t'avais Magic Nup qui te tapait dans le dos. Toi, tu focusais Ninjax. Voilà. Est-ce que Ninjax est mort avant que toi, tu meurs? Est-ce que Ninjax est mort avant que moi? Non, parce que j'étais là au moment où Ninjax est mort. Ninjax c'est pas mort, non, avant que moi je meure. Okay. Parce que je me suis fait la réflexion en me disant ah, il est pas mort. Ouais. Bah, il y a que deux choix possibles. Bah, c'est soit Magic qui m'a tué par derrière. Il s'est fait respect à la sorcière. Si c'est Ninjax qui l'a tué, il est soit ancien, soit infecté. Mec, c'était juste là? C'est Gap. Mec, y'a comment ça s'appelle? Y'a un ange gardien qui est en moi sur la liste. Mec, go. Et
n'est pas allé. Non, oui, effectivement. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Et donc, je sais pas. Moi j'ai voulu attaquer et je pense qu'il m'a tué derrière parce que oui, d'une manière ou d'une autre, j'allais peut-être à l'encontre de son rôle, je sais pas. En gros, on t'as pas dans le dos. En gros, t'étais genre là, mais t'avais des feuillages, tu tapais Ninjax comme ça. Mm-hmm. Et Magic était juste derrière toi et il faisait ça. Et il te tapait. Et du coup, moi je suis arrivé par derrière et il t'a tué, mais dans la foulée, j'ai fait ça, j'ai buté Magic. Mais Ninjax était déjà mort à ce moment-là. C'est vous qui avez tué Toz ? Non, oui. C'est pas nous, c'est. Non, c'est pas nous, nous. Nous c'est on vous était en train de parler avec on pensait qu'il était loup. On pensait qu'il était loup. On pensait qu'il était loup. Le fameux je pense que. Bah tant pis, je vais te faire une conférence aveugle parce qu'il faut que ça bouge. Je te le dis très honnêtement, il y a un petit 80-90% de chance que NT soit méchant. NT ? Oui. Pourquoi ? Ah ! Oh ! Oh ! 80... Ouais, je donne un petit 80% sachant qu'on connaît le rôle de Siphano maintenant. Enfin, qu'on connaît plus ou moins le rôle de Siphano. En fait. Parce que, en fait, sauf si c'est Ninjax qui a tué NT, NT est forcément méchant. Voilà. C'est sûr à 1000%. Ah, le Cupidon, il était où déjà ? Et bah du coup ! D'où le fait qu'il avait peur, je comprends mieux. Ah ! Ouais, d'où le fait qu'il avait peur, je comprends mieux. Ouais. J'ai récupéré. Ouais, Magic, j'ai récupéré un truc important. What the fuck ? Ça c'est quoi ? C'est une poisson poison ? Bon, honnêtement, les gars, on voit The G et on le fume. Hein. The Kill ? Ouais. En fait, ce qui serait terrible là pour le. Ce qui serait vraiment. Oh là là.